Suis-je un garçon? Doit-on vraiment se poser la question? Suis-je un être humain, libre d'aimer, libre d'avoir des sentiments? Et toi qui m'écoutes, qui es-tu vraiment? Suis-je une fille? Dois-je mettre une jupe ou un pantalon? Suis-je un garçon? Suis-je obligée de mettre un pantalon? Doit-on vraiment se poser la question? Suis-je une fille ou un garçon? Doit-on s'habiller d'une certaine façon? Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Pourquoi attribuer cette couleur alors que ce n'est pas forcément celle de votre cœur? Suis-je hétéro? Suis-je homo? Bi? Mon sexe a-t-il une importance? L'image de notre apparence ne reflète pas ce que l'on pense. On est fille? On est garçon. Est-ce que l'on doit garder cette direction? Je renvoie une image. Dois-je me mettre à la plage? La société a évolué, mais l'humanité ne l'a pas acceptée. Pourquoi user de la violence quand on peut tout simplement accepter la différence? La violence fait vivre la souffrance, mais la tolérance permet d'accepter la réalité. Liberté, égalité, fraternité. L'amour est un sentiment incontrôlé. Pourquoi s'abstenir à une telle liberté quand on peut tout simplement ignorer ses mots, ses regards, pour pouvoir avancer vers un avenir plus favorable? Toi qui écoutes ce message, comprends-tu à présent que tu n'es redevable envers personne? Alors fonce, vis ta vie avec qui tu veux. Après tout, on n'en a qu'une, alors pourquoi ne pas pouvoir en profiter? Si tu es hétéro, homo, bi, etc., ne t'en fais pas de ce que tu es. Le monde évolue. Peut-être qu'un jour, tout le monde comprendra tes choix. Mais t'inquiète pas pour le moment. Écoute ton cœur, pas ce qui te critique. L'amour est un sentiment d'être vivant. Et la définition de l'amour n'est pas d'aimer un homme quand t'es une femme ou d'aimer une femme quand t'es un homme. Non, c'est selon ce que ton cœur choisit. Peut-être même que ceux qui te critiquent plus tard penseront comme toi. Alors sois toi-même et essaye d'expliquer ce que t'as sur le cœur. Moi je crois en toi. Tu es libre d'aimer et de choisir la personne avec qui tu veux te marier. Avance même avec les bras croisés. Tiens tête et ne prends pas compte des regrets. Les remarques ne doivent pas t'arrêter. Tu dois les surmonter en t'acceptant et accepter ce que tu aimes. Aie confiance en toi, ne baisse pas les bras. Ne prends pas parti de ceux qui te critiquent, ce n'est pas leur avenir. Personne ne doit décider pour toi, tu es le roi de ton avenir et de tes choix. Tiens la main de celui que tu aimes et montre aux autres ce que tu sèmes. C'est une vie heureuse, épanouie, sans faire de compromis. L'amour n'a pas de temps d'attendre et tu mérites qu'on te le rende.